Maintenant, vous soufflez un petit vase, un seul flot. C'est un petit vase qui est normalement destiné à recevoir une seule fleur. Alors, température du four, je vous répète également, 1130 degrés durant toute la journée. Le four est chauffé au propane et n'est jamais éteint. Ou alors, si on l'éteint, c'est pour réparation. Là, on le met tout d'abord dans un moule rayé. On voit un peu les rayures maintenant du cristal. Et maintenant, il s'agit de bien contrôler l'allongement de cette boule de cristal, puisque ce petit vase va être soufflé sans boule. Là aussi, l'amorce de rupture, c'est là qu'on le détachera tout à l'heure. Et maintenant, on va également y ajouter une jambe et un pied, de même que le verre précédent. Il y a peut-être plusieurs bacs de couleurs dans le four. Peut-être qu'il y a plusieurs couleurs dans le four. Hein. Voilà, donc là on a entendu donc le verre qui vient de se casser, donc qui a refroidi beaucoup trop vite. Voilà, ce vase de soliflore a également 400 degrés et devra aussi être refroidi entre 3 et 5 heures.
Dans 3 ans, à devenir bon cristallier, il faut compter une bonne dizaine d'années de métier. Donc, pour faire les verres et les grosses pièces correctement, donc du début jusqu'à la fin, environ une dizaine d'années. Alors nous sommes également sculpteurs, c'est-à-dire que nous réalisons toutes sortes de petits animaux, des petits sujets. On va également vous faire quelques démonstrations. Voilà, tout d'abord on calibre donc la boule de cristal avec une palette métallique cette fois-ci. Ensuite, on va sculpter à l'aide d'une pince à épiler qui est taillée en pointe. Alors là aussi, il faut aller très très vite, on a environ une minute de temps. Après, c'est trop dur. Après 9 ans, tu sais toujours pas si tu veux. Il y a d'autres animaux, on en recrute à chaque fois la coupure du ciseau à l'aide d'un chalumeau pour qu'on ne se blesse pas. Parce que ces petits animaux ne passeront pas dans le four de recuisson, puisqu'ils ne sont faits que d'une seule pièce. Le temps de refroidissement est de 10 à 20 minutes. Alors on vous le montre de plus près, comme ça vous verrez mieux. Donc l'appareil ne touche pas, c'est très très chaud. Il a fait ça. Alors le métier d'abord dans un petit moule rayé également. Alors de ces petits animaux, on peut également sculpter environ 200 pièces par jour, donc toujours en 8 heures de travail, et bien une centaine de modèles différents selon les outils qu'on a avec soi, mais toujours sans moule. Au départ, ces petits animaux, même les verts, sont de couleur vert, c'est parce que c'est très très chaud.